Bienvenue sur la chaîne du Petit Monde de Night. Aujourd'hui les amis, un nouveau challenge. Un challenge plage. Donc je suis sur la plage avec mon frère, ma soeur, et puis toujours ma mère. Et puis moi évidemment. Donc aujourd'hui, le challenge consiste à réaliser une dizaine de défis. Donc nous allons annoncer 10 défis les enfants que vous allez devoir réaliser. À chaque fois que vous réalisez un défi, vous remportez un point. Okay. Si vous arrivez à 8 points ou plus, vous remportez une surprise. Ouais. Si vous réalisez moins de 8 défis, que vous ratez les défis, vous n'avez pas assez de points et vous ne remportez pas de surprise. Bouh. Je vous ai dégoté de nombreux trésors. J'espère qu'ils vous plairont. C'est parti? Elle creuse encore pour avoir des trésors. Oui, c'est ça. Night aime bien creuser pour trouver des trésors. Ah ouais, j'adore l'avoir creusé, moi. C'est trop drôle. T'as trouvé un trésor, Night? Oh, il est loin. Je vais le choper. Je suis sûre que c'est un Shopkins. Un Shopkins de plage. Alors, pour le premier défi, il va falloir se mouiller. Parce que l'eau est vraiment très très froide. Vous êtes prêts à relever ce premier défi? Ouais. Alors go. Aliwan, elle y va tranquillou. Hein. Non. Ouais. Défi réussi. Bravo Drenne. Un point. Oh la vache, tu es allée comme une furie là. Je crois que je t'ai même pas vue. Attends, je recommence. Vas-y. Ah purée, c'est un malade mental. Super froide quand même hein. La vache. Aliwen, c'est quoi cette technique? Aliwen, elle se mouille les fesses d'abord. Le vent tranquille. C'est quoi cette technique, Aliwen? Allez, encore jusqu'aux épaules. Allez, les épaules sous l'eau. Allez, pour valider le défi. Allez. Ouais. Défi, un point. C'est bon. Alors, pour le deuxième défi, il est très dur celui-là. Il faut se renverser un seau d'eau sur la tête. C'est moi qui remplis le seau. Qui commence? Non, c'est toi, tu le fais, mais moi je le remplis. Qui commence? Allez, ouais, t'es courageuse. Hein. Et moi, pourquoi moi? Elle veut commencer. Allez. Ouais. C'est bien, défi validé. Adrien, on va le faire une deuxième fois. Adrien, c'est moi. Non mais c'est bon. T'as gagné le point, c'est bon. C'est bon, Aliwen, c'est bien là. Alors, le prochain défi, c'est de faire l'étoile de mer. Okay. Aliwen pendant 5 secondes sur le ventre. Hein. Ouais. Et Drenne pendant 10 secondes. Okay. 10 secondes, hein. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un point. Parfait. Attends, je vais préparer. Hein. Vas-y. 1, 2, 3. Il faut que je m'approche parce qu'après je ferai. On va trouver des excuses là, allez. Allez, go, 5 secondes, je compte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bravo Lily, un point. Ah, oh, t'as froid. Alors, ça va Aliwen, pas trop froid? Si. Alors, on va se réchauffer avec le quatrième défi. Quatrième défi, il va falloir retrouver un très beau coquillage. Ouais. Alors, soit un coquillage rose, soit un coquillage jaune, soit un coquillage avec des rayures. Ok? Allez, let's go. Ren, elle fait le quatrième défi. C'est quoi? Quatrième défi, c'est retrouver un coquillage très joli. Donc, soit un rose, soit un jaune,
Point 1 avec des rayures. Okay. Allez, go. Point rayure. Non, une rayure c'est couleur, rayure de couleur. Non, ça marche pas. Ouais. Pas validé. Coquillage jaune pour Dren. Coquillage défi validé. Cassé, Aliwen. Un coquillage pas cassé. Alors, le cinquième défi, ça va être de se faire une perruque avec des algues. Et marcher sur la plage jusqu'au sac, avec les algues sur la tête. Ah non, si. Ah, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça fait un point en moins. Allez, elle est une perruque. Elle est où là? Ça veut dire que tu mets dans ta tête. Bah, là, il y en a plein, là. Elle est où la plage? Le sac, il est tout là-bas. Allez, tu marches avec sur la tête. Allez, c'est parti. Jusqu'au sac. Ah bah t'es très beau, regarde-moi. Waouh, magnifique, on dirait un punk. Et toi? Attends, je vais faire comme ça. Oh, t'es très belle aussi, on dirait une lionne. Le défi de où? Elle est où là? À côté de la poubelle, tout là-bas. Là. Ah, ah si, allez. Attends. La personne qui te regarde. Ouais. 1 million de spectateurs. Défi validé. Ah, 5 points, Dren. 5 points, Aliwen. J'aime pas ce truc. Alors, pour le sixième défi, il va falloir tenir en équilibre la balle sur la raquette pendant 20 secondes pour Dren. Oh non. Ou 30 secondes même, carrément. Pourquoi? Sans taper dessus. Et Aliwen pendant 10 secondes. Allez, Dren commence. Ok. 30 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Défi réalisé. 6 points. Aliwen, à toi. Allez, Aliwen, 10 secondes. T'as droit demain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrête Dren, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la tête concentrée, 14, 12 000, 26, 42, 72, bravo! Mais c'est bon, c'était 10 secondes, t'avais largement gagné! Voilà, la tête concentrée qu'elle faisait. Pour le septième défi, il va falloir écrire la première lettre de son prénom, oui, avec soit des coquillages, soit des algues. Vous écrivez à côté de la serviette. Prends les coquillages. Allez, non mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre coquillages et algues, que coquillages, que algues, comme vous voulez. On peut prendre coquillages et algues? Oui. Ok,
on voit bien le D comme ça. Allez, Wen, ça construit ? Pas encore. Et voilà le joli A de Aliwen. Défi validé, Aliwen, 7 points. 7 points. Hmm, ouais. Pour le 8e. Pour le 8e défi. Vous allez voir, il va falloir sauter à cloche-pied. Draine jusqu'à la deuxième ligne. Aliwen. Jusqu'à la première, là. Je vais pas réussir, je suis pas forte en cloche-pied. Eh ben, tu vas t'entraîner avec la balle dans la main, à plat, comme ça, sans la faire tomber. Ah, oh non, mais c'est interdit. Allez, vas-y, Drain, montre l'exemple. Ah, j'aime bien quand tu tires la langue, c'est cool. Ah, 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 jusqu'à là-bas. Allez, allez, hop, 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 si tu la fais tomber, tu recommences. Et c'est reparti. Tu recommences. Aliwen essaye. Aliwen essaye. Entre temps, tu te reposes. C'est impossible, la main pleine. Allez, Lily. Tu vas y arriver, ma chérie. Ouais, ouais, ouais. Elle fait du ping-pong. C'est pas mal. Allez, Dren. Et tire la langue, hein, c'est bien. Non, la main plate, la main plate. Allez, plat, 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 plat. Ah, plat, 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 plat. C'est bien. C'est bien, Dren. T'as pas trop mis la main plate, mais bon, on va dire que... Un peu trop plat. Non, tu mettais un peu comme ça, tu trichais un peu quand même. Là, bah ça tient, là. Allez, tu repars avec la main plate. Oh non. C'est le bonus. Ah mince, j'ai pas filmé, faut que tu recommences. Non, je rigole. C'est bon, Dren, c'est bon. Donne à Aliwen. Allez, Lily, à toi. Bah, t'as le droit de faire la main comme ça. Parce que, ouais, voilà. Allez, vas-y. Mais si, regarde, elle est facile ta ligne, elle est pas loin. Ouais, je l'avais dit. J'adore Aliwen, je sais pas comment elle fait. C'est ça, c'est fou. Vas-y, tu peux y aller. Allez, Aliwen. Ouais, presque, allez. 20e tentative. Allez. Bon, ok, Aliwen, t'as le droit de la tenir la balle, toi, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ouais, c'est facile, hein. Bah oui, mais sinon elle va jamais arriver. C'est bien, Lily. 8 points. Bravo. Et pour la peine, un retour. Pour la peine, allez. Pour la peine, un retour. Là, c'est elle a une technique très esthétique. Alors, le 9e défi. Vous voyez ce petit coquillage? Ouais. Ouais. Je vais le cacher. Ouais. Soit en dessous le orange, ah ouais, je connais, soit en dessous le jaune, soit en dessous le bleu. Évidemment, vous n'allez pas regarder. Ouais, du coup, on va retrouver. Il faut retrouver le coquillage. Si vous trouvez, le défi est validé. Si vous perdez, vous avez un gage. À chaque fois que vous perdez, vous allez avoir un gage. Ah, ah, qui commence? Moi. Surveille Dren. C'est la tête de Dren. On dirait un trop vieux enfant, trop mignon. Ok, Dren, vas-y. Oh, désolé, fantôme trop mignon. Celui-là. Bah vas-y. Raté. Un gage. Allez, à Lily. Ah, non, c'était celui-là. Le gage, un plouf dans l'eau. Oh, non. Maintenant que t'es bien sec. Allez, on y va. Vite, 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 vite. Il y a encore le coquillage. Allez, on revient en courant maintenant pour te sécher. Alors, allons-y, nous allons cacher pour Aliwen. C'est bon, Lily. Elle était un petit peu bougée là. Donc, toi, tu l'influences pas. Pour tout, tu vas peut-être lui dire des bêtises alors. Je pense pas. Allez, Aliwen, vite. C'est un jeu de vitesse là. Mais non ! Bravo ! Défi validé ! Elle a regardé la semaine. Non, 9e point. Bravo, pas de gage. T'es contente ? Ah, pff, oh, j'ai pas de sable dans la tronche. À moi. Vas-y. Vas-y.
Oh, ça a l'air crucial comme choix. Attention, tu te trompes, un plouf dans l'eau. Non. Parce que maman, elle trouve que tu fais des jolis ploufs. Ah, il y en a un qui sonne creux. Vu la taille du coquillage, je pense pas que t'entendes grand chose. Un seul, t'as pas le droit d'en soulever plusieurs. Allez. Raté. Elle est encore. C'est le même qui l'a dit au diable. Allez, un plouf dans l'eau. C'est trop nul au jeu des coquillages. Troisième essai Bourdraine. C'est Bourdraine. Troisième essai. Encore les rouges. Ah, peut-être ou pas. Il est bien décalé, dis donc. Ah oui, dis donc, il est bien décalé. Il est bien décalé. Et non, cette fois, c'est le bleu. Le bleu, mais tu montes le jaune là, c'est normal. Celui-là. Bah, je sais pas, ça fait trois fois que tu choisis celui-là. Non. J'ai troisième plouf. T'es trop mauvais. Pas un plouf. Si. Troisième plouf. Ouais, ça t'a bien fait, t'as évité. Moi, je vais gagner. T'es sûr? Oui. Ah bon? Alors, la dernière chance pour Dren. C'est parti. Go. Ta dernière chance. Dernière. Je crois que c'est Cornelia comme choix. Au bout de 4 fois quand même, j'espère que tu vas trouver. Hein. T'as pas le droit de toucher. Pas lui. Il est en panique. C'est pas lui. Non, t'as pas le droit de tricher là. Allez, allez, choisis-en un. Moi, je que ce soit le bleu. Je sais pas, non. T'aimes bien le bleu en général, ou t'as du mal avec... Et voilà, Et non, c'était sûr, Dren, réfléchis un peu. Allez, un quatrième plouf. Non. Non, on arrête. Allez, t'as pas de points par contre. Alors, le dixième et dernier défi, donc on rappelle les scores. Aliwan est à 9 sur 9. Et Dren, bah du coup 8 sur 9, hein, malgré tous tes efforts, mon pauvre. Donc le dernier défi, ça va être pour les 11 mois de Night, parce qu'elle va bientôt avoir 11 mois. Son défi va être de lui construire un gâteau en sable et de le décorer le plus joliment possible. Donc vous avez à votre disposition bah, ces choses-là pour faire un joli gâteau. Et puis bah, des algues, des brindilles, des coquillages, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de faire aux mains? Oui, tu peux le faire aux mains aussi. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Allez, mais un gâteau en volume, hein. C'est pas un gâteau plat. Hein. C'est pas un gâteau, genre je dessine un gâteau comme ça et non, voilà. Mais moi je sais. Ok, alors c'est parti. Et c'est le plus joli qui remporte le point. Hein. Oui, je sais. Vous pouvez pas avoir un point tous les deux pour ce défi-là. C'est un gâteau moustachu. Non, c'est des saucisses. Des saucisses, bah oui, ça va faire plaisir à Night, ça, un gâteau saucisse. Et toi, c'est un gâteau quoi? Un gâteau bizarre. Ah, il y a étage, un gâteau à étage, c'est ça? Ouais. Ah oui. Ça travaille dur par ici. Oh, ça commence à être très joli par ici. On dirait vraiment un bonhomme moustachu. C'est rigolo. On dirait un bonhomme moustachu quand même. Hein. Dren, c'est de la construction, c'est pas un château fort pour faire, c'est un gâteau, hein, tu te rappelles? Ouais. Ouais. C'est le noix qui protège le gâteau. Ah oui, d'accord. Il est un peu effondré. Hein. T'as trouvé quoi? Le gros coquillage. Ah ouais, ça lui fait plaisir. À première vue, les œuvres d'art sont finies. Donc, celui de Lily, voilà. Allez, moi, tu nous présentes ton gâteau. C'est un gâteau
Mm-hmm. En fait, vous voyez ici, il y a des petites saucisses. D'accord. Et là, c'est un gros poulet. Un gros poulet. Et dessus, une petite croquette. D'accord. Tous les petits coquillages sont des petites croquettes. D'accord. Et ça, et puis, c'est quoi? Ça, mm. Et bien ça, c'est des saucisses. Encore des saucisses? Ouais, encore des saucisses, mais comme ça. D'accord. Et puis, il y a beaucoup de poulets et les mini coquillages, c'est des croquettes. Et ça, donc? Bah ça c'est les barrières à croquettes. Ouais, les barrières à croquettes. Ok. Alors Adrien maintenant. Ça c'est une cuisse de poulet. Ouais, il y a des gros cailloux chez toi. Hein. Ouais. Des grosses cuisses de poulet. Ouais. Et ensuite en dessous il y a du saumon et tout ça, tout ce qu'elle adore. D'accord. Et là il y a le coquillage orangé. Ah oui, le coquillage orangé, elle adore ça. On va laisser Night voter pour le plus beau gâteau. On va aller la chercher. Ouais. Vous pouvez dire vous aussi dans les commentaires. Quel gâteau vous préférez, donc celui de Lily? C'est moi Lily. Ou celui de Reno? C'est bon. Alors Night va choisir son gâteau préféré entre celui d'Aliwen et celui de Dren. Allons-y. Ah, elle s'intéresse à celui de Dren. Et là? Là Night regarde. Elle le voit Night, pas. Night, coucou. Là. Et moi j'ai marqué pour les 11 mois de. Elle s'intéresse pas mal à celui d'Aliwen. Ah non! Ça sent bien. Mais tu veux lui faire la lame aussi? Je vais lui faire aussi. Là, Night. Là. Elle détruit tout. Ah, ah, elle aime bien, elle goûte. Ah, ça lui faisait bien le petit trou, mais bon. Night, regarde. Là. On va réessayer. Vas-y, fais Night, viens. Okay. Là. Je recrose au pied. Non, d'Aliwen, ça le plaît pas. Ah, je sais pas, c'est dur. Viens, la Night. Regarde. Ah, elle a trouvé un coquillage. Ouais, ça a l'air de lui plaire. Elle marche dessus. Elle m'a tout cassé mon château. Non, décidément, je crois que Dren a gagné. Ouais. Le point sera attribué à Dren. Ce qui fait que nos deux petits challengers sont ex aequo. 9 points pour Aliwen, 9 points pour Dren. Mais décidément, je crois que vous auriez dû utiliser cet ingrédient parce que je crois que ce qu'elle préfère, c'est la paille en fait. Un night. Alors, ce challenge étant terminé, voici la remise des récompenses. Aliwen, elle a le droit à un petit Lost Kitties. T'es contente, Lily? Oui. Et Dren, il a le droit à un espèce de monstre de toilette horrible. Merci. Alors, monstre de toilette. Toilette. J'ai choisi les toilettes. C'est toi qui as choisi les toilettes. Ouais. Il faut mettre de l'eau à l'intérieur. Dedans. Ah ouais, non, mais on n'a pas fini là. S'il faut remplir tout ça, prendre un plus gros coquillage. Hein. Ok, j'arrive. Ou alors remplir le direct. Bah ça y est, il sort. Ah, il sort. Bah c'est normal aussi, t'as tout rempli d'eau, mais bon, c'est pas grave. Prochain, faudra le faire à la maison. Alors, tu les sors ou pas là les trucs? Qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'il est laid. Ah, il est touché velours lui, non? Ah ouais. Oh, qu'il est laid, on dirait un gremlins. Il est vraiment moche. Ah non, c'est un rat, regarde, il a la queue de rat. C'est un petit rat. Et regarde, c'est un rat. Et ça c'est quoi? Oh, il a deux têtes. Oh, c'est affreux. C'est trop moche. C'est une espèce de, je sais pas, de rhinocéros, tortue ninja, perroquet, je sais pas, à deux têtes. C'est affreux. Félicitations. Ils sont bien les vos monstres de toilette. Ah, je vois un petit bout. Est-ce que vous voyez? Ouais, on voit. Un petit bout bleu. C'est un chat bleu? Ça pourrait. Est-ce que ça ressemble à de la pâte à modeler alors? Ouais, très mou comme la pâte à modeler et en marron. Un peu pour être. Non, mais c'est bizarre comme consistance, c'est pas trop de la pâte à modeler en fait, c'est très léger. Mais un peu quand même. Ouais, un petit sachet bleu. Un petit skateboard d'abord. D'abord un petit skateboard, d'accord. Tu peux le tenir. Un petit téléphone portable. Ok, c'est un chat qui est moderne, hein. Il a un téléphone portable. Rouge. Un chat rouge. Regardez ses oreilles. Ouais, ah, c'est un chat endormi. Dans une soucoupe? C'est ça? Non, on voit un peu ses yeux. Pas vraiment beau. Ah, c'est lui. C'est Scoop. Scoops. C'est un chat athlétique. Oui? Ouais, c'est un chat qui fait de la gymnastique, à première vue.
Voilà. Ah bah oui, il a un pansement et une minerve en fait, c'est ça. Il est malade, pauvre petit chat. Il a eu un accident. C'est un chat qui s'est fait... Ah bah oui, voilà, j'ai compris pourquoi. Il a fait du skate, il est tombé, et maintenant le pauvre, il a une minerve. Et du coup, après, il a téléphoné, c'est pour ça qu'il a un téléphone. Voilà, les Lost Kitties. Et après, du coup, il est... Ça veut dire chat perdu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau challenge? Trop cool. Trop méga bien. Trop bien. Ouais. Tous les défis, c'était chouette. Ouais, quand je fais mes gages là. Ah oui, toi, t'en as eu plein. Des ploufs dans l'eau. Ça, c'est vrai. C'était rigolo, Aliwen, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? À bientôt, les amis. Sur la chaîne du Petit Monde de Night. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et puis surtout, de nous mettre un petit pouce vert. Bleu, hein. La mère qui connaît rien. Bleu, c'est mieux, hein. Ou rouge, hein, même si vous n'avez pas aimé. Hein. Je vais faire un plouf. Encore un dernier plouf? Ouais. Allez. Et toi, Lily, tu retournes ou pas? Il faut mes lunettes. Non, trouve pas des excuses. Ah là là. Ah non. Le bonus. Ouais, 1, 2, 3. Ah, là. Alors, titi, vas-y. Non, du ventre. N'importe quoi. On n'a pas le droit d'amadouer le jury. Ça veut dire de corrompre le jury, Aliwen. En étant trop mignonne. T'as pas le droit. Si tu fais ça avec ta danse là. Night a pêché un coquillage. Un gros coquillage, Night? Ouais. Night, chut, ça. Waouh, tu es trop belle. Par ici. Attends, ouais, dépêchez-vous, elle monte, vous pourrez plus revenir après. Hein. Allez, Aliwen. Ouais, dépêche-toi. Oh là là. T'as eu peur. Allez, retiens. T'as eu peur. Night.